Kafka et Juliette Meurc ont suivi une séance de câlinothérapie sur la place de la Comédie aujourd'hui à Montpellier. Un câlin de bonne année, mesdames. De nombreuses études menées dans le monde ont démontré les vertus thérapeutiques des câlins. Ils aident à combattre le stress et à éviter les dépressions. Les câlins renforceraient aussi le système immunitaire et ainsi nous aideraient à limiter les infections. Sur Facebook, on en parle de plus en plus. Donc les gens sont derrière leur ordinateur. Et d'avoir un événement où on peut se retrouver, ça met du baume au cœur. Bonne année, meilleurs vœux. À vous aussi. C'est très bien, ça fait plaisir, c'est de l'humain, c'est de l'amour, c'est parfait. C'est la paix, c'est le bonheur, c'est les bons sentiments. Et comment réagissent les personnes interpellées? Il y a vraiment de tout. Il y a des gens qui peuvent avoir peur, il y a des gens qui sont enthousiasmés, qui peuvent courir dans les bras. Il y a des gens qui ont besoin d'être un peu incités. Et voilà, c'est à chaque fois une rencontre, une surprise. Il y a des gens qui nous disent on a ce qu'il faut à la maison. Et puis il y en a qui nous disent ouais, c'est génial, continuez quoi. Et moi je sais que c'est pour eux que j'ai envie de continuer. J'ai eu de très beaux témoignages, des personnes qui se demandent. Et puis après, ils me disent en fin de compte, c'est juste ce dont j'avais besoin aujourd'hui. Thank you.
Opération câlin, où nous écartons les bras et les personnes qui veulent venir nous faire une étreinte viennent vers nous. Et on reste là, immobile, quelques instants, le temps d'une ou deux respirations. Et puis on se sépare et on se remercie. Break the rules of a bullshit game. Find somebody else to blame it on. Tonight, and don't you know you can't be trusted? On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire, qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire, et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse, naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu. Alors, sans la tendresse, d'un cœur qui nous soutient. Non, on n'irait pas plus loin. Un enfant vous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent. On a les larmes aux yeux. Mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour jusqu'à la fin des jours. La tendresse de Bourville.